Un château, paillettes et millions à foison dans la ville de l'amour. C'était tous les ingrédients réunis pour, entre guillemets, le mariage du siècle. C'est ça, c'est un couple d'Américains qui a décidé de se dire oui à Paris dans des conditions extraordinaires. Camille Gutin, vous êtes notre correspondante à Washington. On peut dire que c'est l'union de la démesure, un vrai mariage de princesse qui a coûté une somme astronomique, une somme folle. Oui, c'est pour ça que cela a été surnommé par les internautes le mariage de l'année, puisque selon les estimations, il aurait coûté pas loin de 54 millions d'euros. On a d'ailleurs vu tourner sur les réseaux sociaux des vidéos postées par la mariée de ces 5 jours complètement incroyables passés à Paris. Ça a d'abord commencé avec l'Opéra Garnier, qui a été privatisé pour l'occasion. 35 000 à 40 000 fleurs ont même été livrées pour décorer le lieu. Et puis ensuite, la mariée a été passée la nuit avec ses amis au château de Versailles, là aussi privatisé. Il y a eu un déjeuner au sein de la maison Chanel. Et puis, il y a eu la traditionnelle séance de photographie au pied de la tour Eiffel, elle aussi privatisée pour quelques heures. La cérémonie, elle, a eu lieu au sein du château de la Villette avec comme invité eh bien, le célèbre groupe Maroon 5 pour animer toute la soirée. En fait, au-delà du caractère complètement extraordinaire, extravagant de ce mariage, c'est aussi une énorme manne financière pour la ville de Paris et un gros coup de publicité.